Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille, je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de mon aventure sur Blocks Freeze. Vous l'avez demandé et le voilà, le retour après mon entraînement intensif en ermite dans la montagne. J'ai vaincu le redoutable Yeti et je suis prêt à relever de nouveaux défis. Si vous êtes prêts, vous aussi, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer, bien entendu. D'ailleurs, grâce à vous, nous avons passé le palier des 500 abonnés. Merci beaucoup la famille. Bientôt le million. On va se calmer. Hein. Déjà 1000, ça serait exceptionnel. Encore merci. Allez, c'est parti. Après mon petit périple en montagne, je me dirige maintenant vers le quartier général de la marine. Marine Ford. La première quête à laquelle je vais faire face est celle des redoutables maîtres de corvette. Non, je sais, ce sont juste des petits mobs, mais laissez-moi rendre ma vidéo plus épique qu'elle ne l'est. Ces maîtres de corvette ne sont pas à sous-estimer. Mais avec la maîtrise acquise pendant mon entraînement, je vais montrer de quoi je suis capable. Bon, pas grand-chose encore, hein. Y a du boulot, hein. Je deviendrai le roi des pirates dans 30 ans peut-être. Bah. En vrai, je me disais si seulement je pouvais grind ma vie réelle, je serais déjà le boss. D'ailleurs, avant de plonger tête baissée dans cette bataille, voici la question du jour pour vous, la famille. Si vous pouviez choisir une capacité spéciale d'un personnage d'animé manga pour vous aider dans une mission comme celle-ci, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Laissez-moi vos réponses dans les commentaires, vous connaissez le refrain comme d'habitude. J'ai hâte de voir vos choix. Ok, donc c'est parti, nous allons farmer les officiers de la marine. Regardez, mes attaques de fumée, elles font le café. Enfin, ou elles font de la fumée, bien sûr. Grâce à la magie du montage, ça va aller très vite pour vous, mais beaucoup moins pour moi. Après avoir passé des plombes à farmer comme un ouf, je dois vous avouer que le truc qui m'embête un peu dans ce jeu, bah c'est cette routine infinie de quêtes, hein, de farm puis de quête, et encore du farm puis de quête, puis encore du farm. Ouh. On dirait un peu le cycle lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais version gaming quoi. Le farming, franchement, c'est cool, ça fait monter en niveau et tout, mais à la longue, ça peut devenir un peu... redondant, hein? On a l'impression de tourner en rond comme un hamster dans sa roue. Ça tourne, ça tourne. Quête farm, oh ma quête farm. Pardon, on dirait une chanson dont on connaît déjà tous les couplets. Pendant mon long farm, j'ai vu en haut de cette tour un petit coffre, donc je vais y aller. Et puis par curiosité, j'ai bien envie d'aller voir là-haut. Oh oui, bah bien sûr, les choses sont bien faites, hein. Je sais ce qu'il y a là-haut. Ou du moins, on m'a dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans cette tour. Donc j'y vais, il y a un petit trou. Plein de petits trous, on rentre dans le petit trou, il y a un vendeur, Parlus. Oh, mais ça me fait penser à celui qu'il y avait dans la pyramide. Alors, qu'est-ce que t'as à me donner, Parlus? 50 000, d'accord, bon bah allez, hein, je vais te les donner. Est-ce que tu me vends quelque chose pour 50 000? Oh, une cape! Oh, on dirait un vieux sac poubelle. Bon, c'est pas bien fou, hein? On dirait qu'elle a pris un petit peu trop d'amidon dans la machine, cette cape. Regardez, on dirait un jouet Playmobil. En avant les histoires. Ah bah, puis en plus, avec mon personnage tout carré. Ah là 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 là, la petite cape Playmobil ou sac poubelle, ça dépend du point de vue de chacun. Franchement, bah, ça ajoute un petit peu à mon style quand même. Hein. Après des heures de grind intensif, il est temps d'affronter le boss ultime. Le vice-amiral de la marine. Il manie les triples katanas, une arme que je maîtrise également. Cette bataille sera épique. Oui, encore et toujours épique, hein. Je dois avoir un complexe à compenser, sérieux. J'ai aiguisé mes triples katanas afin de pouvoir rivaliser avec lui. On va bien voir si ça fera l'affaire.
Ah bah voilà, la victoire est nôtre. La Marine Ford est désormais sécurisée, chef. Et je suis désormais prêt pour les prochains défis qui m'attendent. Qui veut me tester? Qui veut me tester? Oui, qui veut me tester? Allez, viens, viens te battre. Allez, viens là, toi. On passe désormais à la lecture du top commentaire de la vidéo précédente, la famille. C'est celui de Kazuto GRT 1299. Tu feras des lives et des vidéos avec des abonnés? Eh bien, la réponse, elle est oui. Je ferai des lives et des vidéos avec vous, la famille. Bien sûr, d'ailleurs, on a déjà commencé. Il y a le premier live Blockfruit disponible sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous ai même d'ailleurs recruté dans mon équipage. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager la vidéo avec le monde entier. Enfin, déjà vos amis, la famille, etc. Ce sera déjà pas mal. De répondre à la question du jour, bien sûr. Rejoignez aussi le Discord et le groupe Roblox, la famille de Ryoma Tatsuya. Si ce n'est pas déjà fait, vous retrouverez tout dans la description de la vidéo. Je vous aime la famille, à la prochaine. Ciao ciao! Abonne-toi.